Yo tout le monde, c'est votre pote F5, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un petit défi. Le défi il est assez simple, c'est de marquer uniquement en long shot, c'est-à-dire de l'extérieur de la surface en division 1. Allez, c'est parti, c'est un défi qui devrait normalement pas être trop difficile, surtout avec le Bayern Munich, avec Müller, Lewandowski, Vidal, Thiago, Robben, Ribéry devant. Il n'y aura pas de soucis normalement. C'est parti. Allez, ça passe. Avant la surface. Ah putain! Je crois que c'est dans la surface. Eh, je vous jure, j'ai voulu vraiment tirer juste avant la surface. Il me semble que j'ai tiré juste à l'entrée. On va regarder ça. Ah non, je suis. Bon, on peut dire que ça passe. C'est limite, honnêtement, mais j'espère que ce sera pas le seul but. Allez, les Lewandowski, le long shot. Pas très bon. Ribéry. C'était même pas un long shot encore, j'étais dans la surface, mais bon. Si je le mettais honnêtement au coup du crapaud, d'assez loin, ça aurait été pas mal. Allez, Thiago le long shot. La parade. Allez, ça passe. Robben l'enroulé, l'enroulé. Ça flirte avec le poteau. Langage technique un peu. Langage futur commentateur FIFA 17, on peut le dire. On prend un corner. Hein. Je déteste prendre des corners, des centres, des têtes. Le genre de truc où tu peux rien faire, c'est vrai. De toute façon, mon but, honnêtement, il était pas très très valable, on va pas se mentir. Ça m'oblige à en mettre un autre. C'est bien au moins. Allez, Robben maintenant, tout de suite, tout de suite. Oh la barre! Putain, ça passe pas loin. Ça va rentrer, ça va rentrer. Allez, Vidal, le long shot de Vidal. Oh là là, je la voyais dedans! Je la voyais dedans, je vous jure, je l'ai vu dedans. Allez, Vidal, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Elle est belle, voilà, ça rentre, 2-1. Le beau long shot de Vidal. Vas-y, ralentis. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle se serait bien d'en mettre d'autres maintenant. Au passage, n'hésitez pas surtout à vous inspirer des zones où je tire dans cette vidéo. C'est principalement les zones de long shot les plus fréquentes pour qu'il y ait un but. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer des zones dans lesquelles je tire. Bien sûr, l'astuce pour mettre les long shots, c'est de ne pas être suivi par un défenseur et d'être assez, de pas accélérer. Voilà. C'est vraiment l'astuce pour mettre le plus de long shots possible. Allez, je le sens bien celui-là. Vidal, 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 Vidal. Oh, oh là là, ça touche la barre puis la main du gardien. Ah, j'ai pas de chance. Bien joué. Hop. T'es tout seul, Ribéry. Frappe, frappe le long shot. Il était pas terrible celui-là honnêtement. Il manquait un peu de puissance. Ah, il est tout seul en retrait. Il est tout seul en retrait, Thiago. Thiago le long shot. Oh là là, elle était pas mal celle-là. On le voit tout seul là-bas. Est-ce qu'on frappe direct? On frappe direct. Ah, elle était tout seul presque. Allez, et maintenant t'enroules. Oh, elle était belle. Encore une fois, une claquette de Navas qui vient me la sortir de la lucarne. Allez, c'est parfait ça pour Müller. Müller le long shot. Encore une fois, une parade de Navas, mais celui-là non plus était pas terrible. Putain, j'ai cru qu'il l'a touché. Je suis un ouf. On a un bon petit coup franc. C'est vrai que les coups francs, c'est des long shots. C'est considéré comme un tir en dehors de la surface. Allez, on le tente direct. Robben, Robben. Oh là là, la lucarne. 3 buts à 1. Très bien de mettre un petit dernier quand même pour la route. Allez, ça passe. Le long shot. On était sur la ligne. Poteau rentrant, ça passe. C'est pas vraiment vraiment un long shot. Honnêtement, il était pas terrible. Mais on était pile sur la ligne là, même un peu avant. Ça rentre tranquillement. 4 buts à 1. Il craque. Il a voulu mettre un long shot. Il s'est dit, je prends que des long shots. J'en tente un. Et je rage quitte. Voilà les poteaux. Le défi est terminé, le défi est réussi également. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo si ça vous a plu justement ce concept, ce défi. N'hésitez pas également à me proposer plein dans les commentaires. J'essaierai de choisir les meilleurs pour faire d'autres vidéos sur d'autres défis justement. Ciao, à la prochaine, c'était F5. Allez, c'est parti tout de suite pour la première astuce.
La première astuce, c'est pour ceux qui font beaucoup de matchs amicaux contre des amis. Je sais que vous en avez souvent marre de faire votre compo d'équipe, donc vous pouvez la faire à